jour, principalement sur le littoral attendu. Vous voyez, ça sera un peu plus organisé que ouais. Ici entre la Normandie et l'Aquitaine. Donc un réveil qui pourrait se faire sous quelques coups de tonnerre ou encore quelques éclairs. Beaucoup de nuages également. Menteur comme un arracheur de dents, celui-là. Encore un temps très sec et très ensoleillé au réveil. Et puis regardez maintenant l'évolution au fil des heures. Cette activité orageuse, on l'a vu, non, avec le. La coluche, quoi. Un peu vers l'est. Alors voilà. Après, mettez haut, mettez bas. Vous avez vu qu'avec les orages, on a toujours quelques surprises. Alors normalement, l'activité principale, je vous laisse l'identifier entre la Normandie et l'Aquitaine. Juste à l'avant, quelques orages se développeront. Et puis encore plus à l'est, on aura du soleil. Mais enfin, il est tout à fait possible que dans cette zone, on ait aussi un orage très isolé. Donc, il y aura moins gentil, de Kojak. Attention, en fin de journée demain, le soleil sera presque partout. C'est pas du tout comme ça, là. Le Macron et le Donald, là, ça n'a pas. L'Angela, c'est pas bon non plus. Reviendrons sur la Bretagne. Passons maintenant aux températures en regardant l'évolution de la masse d'air. Là, pas de changement. C'est toujours de l'air très très chaud qui domine sur la France. Donc ça veut dire que si on a une baisse de température, ça sera dû, oui, à l'activité orageuse et au nuage, mais pas au changement de masse d'air. Tu vois pas que je le fais mentir en 30 secondes, ton truc. Les voilà encore très éclairs. Oui, il va encore faire chaud. À la nuit prochaine, je vous préviens, c'est entre 15 et 21 degrés. Vous voyez, les faits urbains vont paru 21 degrés de minimum. On aura 19 degrés du côté nuit, près de l'ouest, mais ce sera déjà. J'avais un ouron. Alors, Tata l'a eu ça, là. En cours d'après-midi, évidemment, donc sous l'activité nuageuse et orageuse. Par la bonne grâce de Michel. Simplement dans les régions de l'ouest, tout dépend pas des orages. Avant les orages, ça aura encore le temps de chauffer. Après, bien, ça aura du mal à grimper. Ça sera le cas près de l'Atlantique. 19 degrés à Brest, on aura 23 à Bordeaux, alors que ça chauffera encore dans l'est avant les orages, jusqu'à 34. On a dit qu'il se fait un cosmos, là. La suite, maintenant, il va bien falloir le réveiller pour manger. C'est prêt, hein. Il y a Tata qui avait sa belle coiffure. On aura du soleil pour le nord, auprès de l'Atlantique, ou encore ici sur les bords de la Méditerranée, avec des températures. Il dit des conneries, celui-là. De saison. Pour la journée de mercredi, l'anticyclone revient, ça se voit, notamment dans le nord et l'ouest, et puis encore quelques heures. Et quelle heure de l'est, mais surtout en montagne et surtout en famille. À peine 9h. La Méditerranée, jeudi, vous voyez qu'anticyclone s'installe, les températures oui, alors que j'ai touché, toujours un petit risque de la santé. Moi, ça, tu peux y aller. Mais vendredi, mais ouais, ils sont fous. Tu peux pas prévoir à 10 minutes près ce que je te dis. Je le change en 30 secondes.